Le judo est un sport universel et le Grand Prix d'Antalya est venu le rappeler ce week-end. 14 médailles d'or distribuées, 14 nationalités récompensées. Le pays hôte, la Turquie, est parvenu à remporter un titre le dernier jour. Mikhail Hutzler a fait le spectacle et ravi son public. Il domine en finale des moins de 90 kg Georgi Papounashvili. La troisième défaite en trois finales sur le World Judo Tour pour le Géorgien. Le Slovène naturalisé turc Mikhail Hutzler, autrefois Mihail Zhgang, reçoit sa médaille des mains de son président, César Huizuz. J'ai senti monter l'adrénaline dans les tribunes quand je suis entré sur le tatami. Ça m'a gonflé le mental à bloc. En fin de compte, c'est ce qui est vraiment important pour moi, voir les enfants heureux, voir que vous êtes une idole pour eux. Ils veulent être comme toi, c'est vraiment ce qui me rend heureux. Anna-Maria Wagner est-elle notre femme du jour? La jeune Allemande réussit un début d'année explosif avec trois finales en trois tournois. Depuis l'argent décroché au Grand Slam de Düsseldorf, elle enchaîne deux titres, le mois dernier à Marrakech, et ce dimanche à Antalya face à la Cubaine Kalyema Antomarchi, déjà deuxième à Tbilissi la semaine dernière. Je n'avais pas prévu un kushi, peut-être un ushi, mais quand je suis arrivée avec un ushimata, elle a essayé de me contrer. Et j'ai eu l'occasion de la contrer à mon tour. Le kushi est venu au feeling, au bon moment, ça a marché. Chez les moins de 100 kilos, la vitesse d'Alexandre Idir a fait des merveilles. Le Français a complètement surpris le Brésilien Rafael Buzaccarini pour s'offrir un deuxième titre en 2019, après son succès en janvier à Tel Aviv. Également titrée en Israël, l'Azérie Irina Kinzerska réussit le même doublé qu'Idir dans la catégorie des plus de 78 kilos. Une victoire sur Ippon contre la Brésilienne Beatrice Souza. Le Néerlandais Roy Meyer s'impose lui dans la catégorie reine des plus de 100 kilos. Sa première victoire en Grand Prix depuis novembre 2017. Il domine le Géorgien Levani Matiashvili, couronné la semaine dernière chez lui à Tbilissi. On se quitte avec l'image du jour, toujours un judoka géorgien, le champion du monde 2014 des moins de 81 kg, Advantil Chikrishvili. Désormais chez les moins de 90 kg, il fait le spectacle, qui plus est face à une des valeurs sûres du World Judo Tour, Alexander Kukoil.